Speeldag 19 in het Betsetter Futsal League gebeuren met vanavond een thrillerpartij tussen de voorlaatste en de op twee na laatste in de stand. 3 punten was het verschil en Liers had nog een match minder gespeeld. Dat wilde zeggen virtueel op gelijke hoogte met Moes Kroen. Het werd een match met inzet. Kortom, een wedstrijd die niet mocht worden verloren. En Lierse begon erg scherp met een paar goede uithalen, een paar goede pogingen. Zette Moes Kroen heel snel en heel flink onder druk. Lacouche had heel veel werk in die openingsminuten. Kwam ook voor Lierse na 11 minuten. Het had een tijd geduurd, meer dan de helft van een speelhelft, om te kunnen scoren. Maar dat doelpunt kwam er dan toch met Bouzerda. En even later Bouefalkidne, die dan 2-0 maakte. Lierse als een trein vertrokken in die partij na die openingsgoal. En het was dan wachten op reactie van Moes Kroen. Moes Kroen dat wil tegen gas trachten te geven, maar te maken kreeg met een uitstekende Robin Segers, die zich uiteindelijk dan toch moest gewonnen geven met Max Greco, die op aangeven van Van Akkeren de aansluitingstreffer kon maken vlak voor het einde van die eerste helft. Tweede helft was meteen bijna prijs voor de bezoekers, maar de gevaarlijke acties kwamen weer aan de overkant met Bouefalkidne alweer voor de 3-1. En dan denk je, Lierse heeft het zaakje onder controle, Lierse gaat het zaakje afmaken. Maar dat was buiten de bezoekers gerekend. Moes Kroen bleef geloven in eigen kunnen. Ook al omdat Lierse meer en meer achteruit ging trekken. Nog een gele kaart. En dan die vrije trap die erop volgde van Adriano Greco. 3-2 en het doelpunt van de hoop. Moes Kroen bleef komen, bleef proberen, bleef zoeken naar die gelijkmaker. En die gelijkmaker die kwam er uiteindelijk ook. Het was met een goede vrije trap van Morando dat het 3-3 werd. Morando, 6 minuten en een half waren er nog te spelen. Langs beide kanten kwamen er nog wel mogelijkheden, al was het erg nerveus acteren. En opnieuw was het Adriano Greco die op 3 minuten van het einde de weg naar het net nog eens vond. En Robin Segers nog eens kon verschalken. Het was een feest voor Moes Kroen en een opdoffer voor Lierse. Eindstand 3-4. Greco was tevreden. Encore de futsal auquel on a assisté. On croyait que ça allait être difficile pour la squadra et finalement vous êtes revenu. On ne sait pas comment, à l'abnégation, au courage, mais vous l'avez fait. Bah, je pense qu'aujourd'hui on a une équipe, superbe, jeune. Malheureusement aujourd'hui la jeunesse elle fait des fois des problèmes, mais la fougue. La fougue. C'est la jeunesse, ouais. Aujourd'hui on a fait une deuxième mi-temps monstrueuse. Et on devrait jouer comme ça toutes les semaines. Sauf c'est que malheureusement la jeunesse, la fougue, des fois ça nous. Aujourd'hui ils ont répondu présent, on a tous répondu présent, on était tous là pour le même objectif. Et on a réussi notre deuxième mi-temps. Alors pour toi personnellement c'est encore plus particulier parce que tu n'étais même pas à 100% aujourd'hui. Je pense que tu avais même encore une déchirure. Et pourtant tu t'arraches, tu donnes tout. Et tu viens offrir la victoire à la squadra, c'est tout un symbole finalement, que ça vienne de toi ce soir. Ouais, je sais que je suis revenu très loin cette année, j'ai eu beaucoup de blessures. Je suis revenu grâce à ma kiné Fanny qui fait un très bon boulot. Je pense qu'aujourd'hui je peux la remercier. Aujourd'hui je joue encore avec une déchirure d'il y a une semaine en arrière. Bah, on va dire que c'est vrai que c'est un symbole parce que c'est aussi mon club que j'ai créé avec ma famille. Et aujourd'hui c'était un match vraiment particulier, on devait vraiment faire le maximum pour le gagner et essayer de prendre de l'avance sur le premier relégable de Lierse. Oui, et cette deuxième mi-temps, le Lierse qui marque vraiment un moment donné très important, en début de seconde mi-temps, on s'est dit
ça va être compliqué. Et puis, vous n'avez pas baissé les bras, vous avez pris le match en main et vous avez été quand même récompensé. Ouais, ben, avant ce match-là, on était dos au mur. Et à cette mi-temps, on était encore dos au mur, encore plus. Et alors, au 3-1, on était vraiment... je pensais qu'on allait crouler parce que la jeunesse, des fois, ça nous fait des défauts. Mais là, aujourd'hui, ils ont répondu présent. Tout le monde a répondu présent. Notre public a répondu présent. On a été poussé par notre public, on a été poussé par tout le monde. Et ben, dos au mur, on était encore plus fort que prévu. Et je tiens à les féliciter, mes coéquipiers. J'ai fait une belle prestation. Mais je pense que la victoire, elle est à eux. Et j'espère aussi que Flo va, notre gardien de but, qui vient d'un niveau inférieur depuis le mois de janvier, qui nous sort une super balle à la dernière seconde. J'espère que ça va lui donner de la motivation pour cette fin de saison. Bon, le maintien, il est assuré à combien de pourcents là? C'est vrai que mathématiquement, c'est pas encore fait, mais ça sent bon quand même. Hein. Bah, je vais pas crier trop fort parce qu'on a fait un super premier tour avec 12 points. Donc aujourd'hui, on en a 17. J'ai pas envie de dire qu'on est déjà maintenu. Je préfère encore gagner la semaine prochaine contre Esden et ça sera bien.